bénévoles absolument extraordinaires. La force des Richelle, c'est vous. On est un groupe phénoménal. Comment s'imaginer l'ampleur de la tâche sans y être plongé? Ouais, les gens viennent, ils font du vélo, ils s'enfuient au ils se gavent de paysage. La vie est belle pour eux, c'est une super chose. J'imagine après tout ce qu'on doit cogiter, tout ce qu'on doit coordonner, la sécurité, d'avoir inventé les parcours, après aller sur le terrain, les plus années. Travail en amont, beaucoup d'investissements de la ville d'Aurillac, de tous les bénévoles, et puis à l'arrivée, ben, on se retrouve au dernier moment, une heure avant le départ, une décision à prendre vite, et voilà, une grosse déception, mais on sera meilleur les prochaines fois.
Bond Jr. On va avoir du soleil. Donc le cadre, la vallée de la Jordanne, qui est un terrain de jeu qui est excellent, que ce soit pour faire du VTT ou de la course à pied, comme on peut voir sur l'UTPMA. Il y a les ambiances qu'on retrouve sur ce genre d'épreuve entre participants, où il y a une grosse solidarité, où c'est vraiment chacun à son rythme et on prend beaucoup de plaisir à rouler ensemble. Et pour moi, c'est le côté ludique, le côté informel. Moi, je cherche pas les courses, je cherche plutôt la rando. Et justement, moi, je connais pas trop les circuits dans cette vallée. Donc, ça me permet de découvrir tout ça sur une chouette organisation. L'an dernier, c'était sur du roadbook. Moi, ça m'a permis de connaître un petit peu plus le temps. Avec de la peinture fluo et quelques rappels rubanistes. Voilà, alors il y a bien sûr des ravitaillements, vous avez rencontré un ravitaillement au Passadou, un autre ravitaillement au col de l'Égal et ensuite un autre au-dessus du village du Diomier. Voilà. Surtout arrêtez-vous bien à ce troisième ravitaillement, repartez avec le plein d'énergie parce qu'après il y a une ascension assez énorme derrière. Vous allez rencontrer des signaleurs, c'est toujours sympa de leur faire un petit coucou, de leur dire bonjour. Ils sont là depuis longtemps, ils vont y rester longtemps pour votre confort. Ensuite, au niveau des ravitaux, il y aura sûrement un petit peu de musique, tout ça. Voilà. Prenez le temps de bien vous restaurer. Je rappelle quand même que c'est un parcours qui est un peu chaud. On a soif. On va aller boire des demi. Ouais, on l'avait fait l'année dernière, on l'a fait cette année, on l'a fait prochaine. Ouais, mais au départ, c'est pas mal casse-pattes, comme on dit. Ouais. Et après, quand on voit le dernier col qu'il y a là,
c'est mieux. La première partie qui devait être un peu plus roulante que la fin était grasse, qu'il avait plu toute la nuit. Donc du coup, il n'y avait pas vraiment de moment pour se reposer. C'était tout le temps dur, quoi. Ouais, après le col de l'Égal, il y avait beaucoup de portages aussi. Du coup, ça mettait longtemps et donc c'était très dur, quoi. Voilà. Là, c'est sûr qu'on est passé à des endroits où le paysage était exceptionnel. Hein. Ouais, oui, donc il a fait beau, donc ça tombe bien, ouais. Parce que bon. Et puis voilà, et puis on est venu, ben moi je suis avec mon fils et puis un copain et on est venu se faire plaisir. Au 25 bornes, c'était bien. Une super tracé. Ravitaillement au top, tout quoi. Super ambiance. My ears and it's something worth seeing when you turn your eyes to me. Tell me babe, do you believe in everything you see? Believe in me. That's love. De la montagne. Et donc on a fait avec mon fils le 14 km sur le roadbook. Et c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'avais fait une année il y a très longtemps, à l'époque c'était Plot, c'était sur Plot. Et cette année je découvre le parcours, quoi, et on a trouvé ça super, quoi. Avec un grand plaisir de le faire avec les enfants. En plus j'ai retrouvé des amis. Donc parcours très bien fait, très bien entretenu, bravo aux bénévoles. Voilà, when you're down, I'll lift you up and dig deep into you. Fill you up with me. That's love. That's love. That's love. You were the dark horse on which I rode.
On est l'association des Rifchen par l'intermédiaire de nos maris, qui sont adhérents depuis quelques années. Qui font la rando VTT. Donc nous, on a fait la rando à pied et eux, la rando VTT. Donc, on trouve sympa parce que l'ambiance est cool et détendue. Et puis ça permet de rencontrer d'autres personnes. Voilà. Et puis de découvrir des sentiers de randonnée qu'on ne connaissait pas. Et c'est très agréable. Ouais. Le plateau du Coyeur, magnifique. C'est très très joli. Salut, on vient de loin, on est venu de Picardie. Du 60, à 100 km au-dessus de Paris. Voilà. Je fais le déplacement sur 3 jours pour faire la direction avec mon fidèle cousin. Donc on avait super envie de la faire parce qu'on avait vu les prospectus et ça avait l'air super sympa. Mais moi j'ai déchanté au bout de 15 km, les chemins c'était des pâtures et j'ai explosé. J'étais jusqu'au deuxième ravitaillement sur les genoux, on m'arrêtait toutes les 5 minutes et je suis rentré par la route, j'ai bâché. Je laissais sous un arbre, un bel arbre avec une belle vue. Avec de l'ombre, c'était bien. D'accord. Des paysages, des paysages magnifiques, des vues complètement dégagées, des beaux vallons. Moi je connaissais pas la région, enfin je suis pas d'ici. Et les paysages qu'on peut voir ici. Forcément le coup de pédale que tu lui donnes, finalement c'est plus une équivalence à 70, presque 70 bornes, 45 c'est 65 bornes. Beau paysage, c'est bien tracé, on n'a pas pris beaucoup de portions de route, uniquement une partie de col, et c'est bien parce que ça fait plaisir aussi, t'as le temps de te reposer, il fait beau, tu profites de la chaleur, du soleil, et puis t'as une belle vue dans la rue.
25 aussi. Moi j'ai dû abandonner. Crevé. Non, j'ai eu un problème mécanique et puis j'étais pas en train. Carimonai.